va faire une vidéo de Titi et Sissi. Et aussi, on va faire une vidéo de slime. Derrière, ça nous montre comment on va faire le slime et le rat du slime pailleté et multicolore. On peut voir que c'est des paillettes, je pense. C'est écrit slime licorne. Slime dans un truc que tu n'as pas à ouvrir. De la métisse. Est-ce que tu peux enlever le scotch, s'il te plaît, maman? Commencer. Faut protéger la table avec du plastique, un grand bol avec de l'eau chaude, un bol avec rien du tout dedans. Faut prendre les paillettes et pour couvrir les paillettes, faut demander l'aide d'un adulte et ensuite faut verser les paillettes dans le bol vide. Pour ouvrir cette corne, après on doit essayer de l'enlever. Il y a un film protecteur qu'il faut retirer. Il le faut retirer. On retire le... Et là on compte jusqu'à 10. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et tu peux retirer. Bon, alors normalement, les paillettes n'auraient pas dû s'éclater dans l'eau, mais Titi a dû appuyer sur la corne et ça l'a ouverte. Donc ça a libéré les paillettes dans l'eau. Mais c'est pas grave, il en reste encore beaucoup. Donc on a mis la corne, on l'a mélangée avec la gelée. Et là, Tiana est en train de malaxer pour faire son slime. Je pense que c'est super cool et c'est super bien. Et ça colle. Je fais du slime, je malaxe. Maintenant, il faut que j'enlève tout le slime que j'ai sur mes doigts et ensuite il faut attendre 5 minutes. Et ben là c'est sec, je vais le mettre dans la corne de licorne pour prendre la forme et si vous aimez bien, on a encore d'autres de jouets pour faire du slime. Du coup, si vous voulez voir cette vidéo de slime, n'hésitez pas, on va en faire d'autres. Si vous aimez bien, mettez des pouces en multicolore. Voilà, j'ai attendu 5 minutes. Maintenant, le slime est encore un tout petit peu collant. Mais sinon, il colle.
Vraiment. Faut en mettre partout. Tu fais comment là? Voilà, la vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé.